Coucou mes petits chéris, j'espère que vous allez tous très très bien. Écoutez, ici ça va. Ce fut une journée plus calme, comme ils avaient annoncé, que prévu. Moi, je devais avoir une journée hyper à travailler plein. Et elle s'est bien soulagée cette journée. Donc, plus calme, comme ils avaient prévu. Sinon, on regarde de suite les énergies. Aujourd'hui, il y avait du monde qui voulait parler. Les énergies de demain, 28 avril, avec... Eh bien, tiens, oui, j'avais dit, je vous montrerai l'oracle de la transformation de Dorine Virtue, les portes de l'intuition de Vanessa Milzarek et Brigitte Barberan. Et puis... Pour vivre les accords toltèques au quotidien de Françoise Millot. Voilà, allez, on regarde tout de suite le soutien. Ah, vous allez avoir quelqu'un qui va vous soutenir. Oups, bon, ben, on va rester là. Vous allez, soit vous êtes le papillon et quelqu'un va venir vous soutenir, va faire la fleur ou inversement, c'est vous qui allez soutenir quelqu'un. On va regarder de suite. Le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Waouh! Magnifique. Vous avez vu cette noirceur, ce que vous viviez, qui vient de s'ouvrir en forme de cœur pour un paysage beaucoup plus, ben, le printemps, voilà, quelque chose de beaucoup plus joli. On va vous soutenir pour faire le plongeon. On va vous aider à traverser ce moment qui est pas agréable peut-être. Et puis on va vous aider là. C'est cool. Vous allez avoir de l'aide, du soutien très pas un soutien, comment je pourrais dire, léger, forcé. Non, ça va être un soutien d'amour, un soutien du cœur, donc vraiment quelque chose de beau. Et on vous demande, pour pouvoir plonger, de renoncer à toujours être triste. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. Et ben voilà, pour arriver à faire ce plongeon, alors le plongeon, ça peut être, ben, allez, pour changer de métier, mais ou pour changer d'endroit de vie, pour changer une personne pour être en couple, bref, mais ça peut être aussi le plongeon spirituel. Hein. Pour ceux qui n'y croyaient pas, pour ceux qui était comme Saint Thomas. Ah, d'ailleurs, j'ai vu passer un petit... J'ai pas écouté, mais j'ai vu passer ça. Laissez Saint Thomas tranquille. J'ai adoré. Oui, peut-être que c'est ça aussi. Là, je ressens que ça va être plus ça. Ça va être... Ah oui, il y a une autre vie à côté de la nôtre. Ah oui, il y a... Voilà, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a pas seulement la vie que vous voyez, il y a ce qu'il y a tout autour, quoi. Alors là, on nous dit accueillez la nouveauté. Oui, bon, on est en plein dedans là, hein. Elles sont magnifiques ces cartes-là. Et les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Mais bon, là, vous avez le soutien, vous avez tout, ben, d'être positif, de ne pas se voir triste, voilà. Mais c'est sûr, là, c'est bon, hein. Ah, mais vous allez peut-être avoir aussi le soutien de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ah. OK. Et là. J'apprends à m'auto-complimenter.
Avoir une parole impeccable commence par soi. Même si cela me paraît difficile au début, je continue et j'observe ce que je ressens jusqu'à ressentir de la fierté. Oh, trop bien. Être fier de soi, voilà, c'est par là qu'il faut commencer. Je connais à peu près 99% des personnes qui vont dire, ben non, non, moi je pense déjà à mes enfants, je pense à mon mari, je pense à ma maison, je pense au travail, je pense. Il faut commencer par soi. C'est indispensable. Tiens, voilà, je vais y arriver. Allez, je veux que vous travailliez là-dessus, hein? Que vous arrêtiez d'être triste, que vous auto-complimentiez, que pour arriver à quelque chose de joli comme c'est prévu là. Je vais vous faire plein de gros câlins du soir. Je sais pas, mais il y en a peut-être beaucoup parmi vous qui allez sortir, hein, nous sommes le samedi. Donc, douce soirée à tous. Ah, bah oui, je ne vais pas oublier, liker, partager, commenter. Et puis, je vous dis à demain.